Bonsoir à tous. Alors, pour les pratiquants de musculation, il y a une idée qui veut que lorsqu'on ferme les bras au développé couché, on travaille plus les triceps, moins les pectoraux que lorsqu'on ouvre. Et c'est totalement faux, et je vais vous l'expliquer pourquoi avec une petite démonstration. Alors là, je suis en développé couché large et regardez où vont descendre mes coudes. Ok? Donc je fais plusieurs répétitions. Ok. Maintenant, je passe en serré, donc serré largeur d'épaule. Regardez descendre mes coudes. Alors, beaucoup plus bas qu'en large, tout simplement parce que j'ai rapproché les mains et automatiquement j'aurai plus d'amplitude sur mon mouvement. Et si j'ai plus d'amplitude sur mon mouvement, j'étire beaucoup plus les pectoraux que lorsque j'ouvre les bras où je réduis mon amplitude. Donc le développé couché large, vous allez pouvoir mettre plus de charge que sur le développé couché serré, mais vous avez moins d'amplitude. Et le premier facteur de croissance musculaire sur un mouvement, c'est l'amplitude. Donc vous aurez plus de gains musculaires en travaillant serré qu'en travaillant large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de ne pas croire que le développé couché, c'est que pour les triceps. À bientôt.